Parce que là, les amis, je m'embarque pour un trajet qui va durer entre 17 et 20 heures. Ça va être ouf! Il va y avoir coucher de soleil, lever de lune, lever de soleil. Oh là 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 là. Je suis pas prêt. Là, le train il avance tout doucement parce que vous voyez la grosse machine qui est derrière moi, elle est en train de le charger petit à petit. J'ai trop hâte de cette aventure. À chaque fois, je me retrouve dans des trucs improbables. J'ai trop hâte. Le chargement il est toujours en train de se faire. Vraiment, là, je suis arrivé à la source même. Hein. Regardez le minerai. Pour l'instant, j'en profite. Ça vole pas beaucoup. Pour l'instant, c'est agréable. C'est la routine. Et c'est ça, la grosse machine qui est derrière, elle est en train de petit à petit charger les wagons en minerai. Et du coup, si j'ai bien retenu, c'est du minerai pauvre en fer à 28% pour cette mine là. Après, il y a plein d'autres mines dans la région, mais pour celle là précisément, voilà. Oh, c'est déjà dégueulasse. Mais voilà, là, c'est du fer à 28%. Ah oui, et du coup, il m'a expliqué. Ce minerai là, il va être envoyé dans une usine pour être enrichi en fer. Et vraiment le personnel ici, il a été vraiment incroyable avec moi. Mais déjà, j'ai passé la nuit avec eux dans le poste de sécurité. Atai. 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 Bonjour. Pas de cette mine là, mais d'une autre. Après, le directeur de la sécurité est venu me chercher. Il m'a emmené dans cette mine là qui est à peu près à 30 km du lieu où j'étais. Et regardez ce qu'ils m'ont passé. Pour le trajet, au moins je risque pas de mourir de soif. J'ai vraiment là, j'ai de quoi boire pour longtemps. Ah ouais, 120 wagons en tout. Ok. Mais là du coup là je reste où je suis hein. Ouais. Ok, super.